Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans une spéciale école opérée dans le miraculé qui sera spécialement pour le transfert surnaturel, le transfert du manteau surnaturel, le transfert d'onction, le transfert de la puissance de Dieu, partagé de gauche à droite, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Soyez mon interprète cette soirée. Préparez-vous. Augmentez votre attente et soif. Car toi et moi, nous serons transportés pour recevoir de Dieu quelque chose de surnaturel. Aujourd'hui, le Seigneur m'utilisera pour impartir ta vie, impartir ton ministère. Beaucoup de gens m'ont écrit plus de 2 ans. Prie pour moi pour les transferts. Voici l'opportunité maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus? Partagez au moins à 10 personnes. Laissez la gloire de Dieu nous envahir. Je peux sentir un grand manteau. Le Seigneur est précieux au milieu de nous. Yes. Masorabarata karabaya. Mazabraya broye bababoshe. Yusalabakara tarapariatoi. Mazebre ketekere torobibo. Robolo baranda rababaya. Mazabraya katekeria brobobobobo. Mazarabababababa. Yabaraka tarabababa. Wareka babobobobobo. Shikara marata karabababaya. Yandabori abre karabababa. Warabrobono sataka. Soyez bénis de la part de Dieu. Restez connectés. Soyez sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Merci pour ceux qui partagent. Merci pour ceux qui sont en train de partager de gauche à droite. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez, partagez pour qu'ensemble nous soyons bénéficiaires de la gloire de Dieu. Laissez cette live aller de partout. Continuez de prier dans votre cœur. Il est merveilleux. Yes. Kalabo. Masarabaya. Robolo Shema. Rabarabababababaye. Urabaria Bretolo Mamamaya. Shurakatarababa. O Robolo Shema. Yoboro barabara sharababa baba masarababo masarataratala yekarababa bobo mora barababa raboro shankabarababa yuri bari abremolobo shekaratara mamama ura barawuro breboro sheteka mazora baba babaya ora barawara brebaba bobo. Yele baba boro boria babai. Rabala bawa rabro bonomose. Mekara tarababo. Mizo bara 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 bram. Yura bara baba bobo. Yesa moro ba. Raka baba baba furi baya. Yure baria mono namasha. Rata baba ba. Ekere koriamo. Yuria bara wara brababa. Mashaba karataya, warabro bobo bobo haba haha hataya. Lori boria brekere mema. Seigneur, merci pour ce moment béni. Merci pour ce moment sanctifié à ton nom. Merci pour ta gloire qui nous emballe et qui nous enveloppe. Merci pour tout ce que tu as commandé. Merci, merci, merci Seigneur. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Sauveur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de partager à gauche, à droite. Bientôt, nous allons directement démarrer. Le Seigneur est bon au milieu de nous. Sa gloire nous suffit. Oui, il est bon, il agit déjà. Il se révèle dans sa puissance. Wow, yes. Ola ba ya ba. Rebondo shete. Masa bababo.
Marabababa. Yatarababobobo. Shikabarababa. Masoroboroboshe. Karabro. Masabrabaya. Masabroi. Masabraba. Masabrabobo. Keshebrekatoria brobobo. Yara baba farandara babo. Mazabara baba boboe. Yes. Loire. Loire. L'agneau. Car il est glorieux, il est digne de régner. Il est digne de régner l'agneau immolé. L'agneau est souverain. Nos élèvons, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Si tu es avec moi, tu peux dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Aujourd'hui, c'est la soirée du transfert du surnaturel, du transfert de puissance. Après avoir vu dans l'école opérée, dans le miraculeux, les sortes de miracles durant 3 mois. Et aujourd'hui, nous allons passer des moments dans le transfert, la communication surnaturelle, le transfert de gloire, transfert de puissance, transfert de l'onction, l'impactation. Et le Seigneur fera des choses extraordinaires. Partagez de gauche à droite. Laissez vos commentaires pour signaler que vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, et que le Seigneur puisse vous bénir. Indiquez-nous de quel pays vous nous joignez. Laissez que le parfum de la gloire de Dieu arrive là où vous êtes, dans le nom de Jésus. L'agneau est immolé, l'agneau est puissant, l'agneau est glorieux, l'agneau agit. Alléluia. Qui sont là? Qui sont là? Qui sont là, soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez bénis, restez bénis, restez bénis, et que Dieu puisse vous faire du bien dans le nom de Jésus. Alléluia. L'agneau est merveilleux. Dis après moi, Seigneur Jésus, je me dispose pour les transferts d'onction. Je me dispose pour les transferts de puissance. Je me dispose, Seigneur, affecte ma vie, impacte-moi à travers ton oint. Touche-moi à travers ton oint, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, laisse que tu puisses toucher tes serviteurs. Laisse que tu puisses toucher tes enfants. Lorsque cette soirée soit spéciale et que nous accédons dans une autre dimension de gloire, que nous vivons le miracle des transformations, le miracle des guérisons, le miracle des phénomènes, le miracle de chasser les démons, le miracle de puissance, que nous puissions contempler le miracle extraordinaire. Laisse que nous puissions être témoins de ta gloire. Merci. Au nom de Jésus. Ainsi, je priais avec des actions de grâce. Amen. 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 Encore. Amen. 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 Restez bénis. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Car aujourd'hui, le Seigneur fera des grandes choses. Gloire. Dans le culte de, dans le réunion de l'impartation, nous devons suivre des directives. Lorsque Élisée voulait être impacté, il devait suivre des consignes. Les consignes étaient regarder
pendant que je serai enlevé, transporté, alors tu recevras. Donc, nous devons être sensibles. Si je dis, fais ceci, fais ça. Fais ceci, fais ça. Il ne faut pas seulement regarder. Mais tu as besoin tout simplement d'expérimenter un transfert. Si tu es concentré, tu le verras. Si tu es attentif, tu le verras. Si tu as la soif, tu le verras. Si tu n'as pas la soif, tu ne le verras pas. Parce que lorsque ça va passer, ça passera très, très rapide. Mais entre-temps, il y aura des guérisons miracles qui se passera d'une manière extraordinaire pendant que on va me suivre. Ceux qui sont malades seront directement guéris. Alors, vous qui êtes en train de me suivre, j'aimerais que vous laissiez un commentaire en disant « Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. » En disant « Seigneur, me voici. » Vous qui êtes en train de suivre, laissez votre commentaire en disant « Seigneur, me voici. » Gloire à Dieu. J'aurais à donner quand même une idée aujourd'hui à ce qui concerne le transfert de puissance pour que nous comprenions du moins c'est quoi le transfert de puissance. C'est important. Et après, nous allons directement naviguer dans la puissance de l'Esprit. Seigneur, me voici, qui a déjà répondu. Oui, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi je dis Seigneur, me voici? Parce que c'est un signe. C'est un signe d'abandon à Dieu. C'est un signe de dire à Dieu, je suis là. Je suis là. Et c'est important. C'est à cela que vous pouvez toucher, vous pouvez vivre les transferts de la puissance de Dieu. Je donne les conseils comme j'ai toujours donné les conseils. Vous ne pouvez pas recevoir le transfert surnaturel. Je parle des transferts surnaturels. Si vous regardez celui à qui vous voulez recevoir du transfert, si vous le regardez comme un mentor, vous n'aurez pas de transfert. Parce que le mentor ne transfère pas. Il donne la connaissance, il donne des conseils. Il ne peut pas transférer. Il peut prier pour la personne, pour que la personne soit bénie en tant que mentor, mais ne peut pas transférer. Le transfert, c'est la nourriture des enfants, c'est le pain des enfants. J'ai déjà parlé de cela longuement, je ne peux pas répéter. Il faut se positionner devant celui à qui tu veux recevoir quelque chose de lui comme étant fils. Si tu ne te positionnes pas comme tel, tu n'auras pas de transfert. C'est le principe de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Timothée devait se positionner comme fils vis-à-vis de l'apôtre Paul pour qu'il puisse recevoir le manteau. Mais il était déjà disciple. Paul l'a trouvé déjà disciple du Christ et qui est issu d'une famille qui servait déjà le Seigneur. Sa grand-mère Loïs servait déjà le Seigneur. Sa mère Eunice servait le Seigneur et Timothée était zélé dans le Seigneur. Mais lorsqu'il a rencontré l'apôtre Paul l'a pris comme fils. C'est à cela que Timothée sera impacté, va recevoir le manteau pour continuer à naviguer dans la grâce de l'apôtre Paul. Ça, c'est le principe. Alors, si vous ne savez pas ce principe-là, c'est important de le savoir, ça. Souvent, beaucoup de gens ne reçoivent pas l'impactation à cause aussi de l'orgueil. Ils sont tellement orgueilleux, ils ont tellement une haute opinion d'eux-mêmes, mais ils veulent recevoir l'onction de l'autre. Tu ne le recevras pas. Le transfert, c'est autre chose. Il faut l'humilité. Là, vraiment, c'est l'humilité. C'est le principe pour recevoir le transfert. C'est l'humilité. Si tu n'es pas dans l'humilité, tu ne pourras pas recevoir. Le transfert, c'est biblique. Le transfert, c'est la volonté de Dieu. Le transfert, c'est comme un code d'accès qui permet à ce que telle personne navigue dans l'onction qui est dans telle personne. Soit entre dans le surnaturel qui accompagne cette personne. Soit une personne
lorsqu'il est transféré, il est imparté, il commence à naviguer aussi dans l'appel que Dieu lui a donné. Maintenant, celui qui l'a imparté l'a fait entrer dans le monde surnaturel pour que la grâce que Dieu lui a donnée puisse l'accompagner. Il faut retenir que le transfert, ça peut se passer, c'est une réalité. Mais c'est le Saint-Esprit qui valide le transfert. L'homme de Dieu peut prier pour toi de tout cœur, mais c'est le Saint-Esprit qui va valider. Et le Saint-Esprit regarde la soif, regarde la motivation, regarde l'intérêt, l'intention qu'on a par rapport à ça. On veut ça pour faire quoi? On veut ça pour prouver? On veut ça pour faire quoi? Est-ce qu'on veut ça parce qu'on veut manifester la gloire de Dieu? Est-ce qu'on veut ça parce qu'on a mal de voir les gens souffrir? Est-ce qu'on veut ça parce qu'on veut que les hommes de Dieu puissent avancer? Ou on veut ça tout simplement pour réaliser le désir charnel? C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur qui va valider. Ou d'autres aussi vont recevoir, mais dans son cœur, il a l'orgueil. Il n'a pas la loi d'honneur de la personne qui est en train de transférer. Il peut se manifester comme quelqu'un qui a l'honneur. La personne peut voir, ah, il a l'honneur. Mais en réalité, c'est un orgueilleux. Et là, le Saint-Esprit ne va pas valider. Donc, dans les domaines des transferts, on ne se trompe pas. Vous devez toujours avoir un cœur de fils, de fille, un cœur serviable pour participer au transfert. J'ai parlé pendant au moins 3 mois et maintenant je vais transférer parce qu'à partir de la semaine prochaine, nous entrons dans une nouvelle série maintenant d'enseignement. Depuis 3 mois, nous avons vu les sortes de miracles. Et maintenant, on va entrer dans une nouvelle série d'enseignements. Ça sera sur la réanimation du don spirituel. On va commencer cela jeudi. Déjà, il y a déjà l'affiche par rapport à ça. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que la gloire de Dieu puisse vous accompagner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mais il y a aussi des cas exceptionnels comme un collègue peut aussi être aiguisé à travers un homme de Dieu. Là, la Bible dit le fer aiguise le fer. Il peut être aiguisé. Il peut recevoir la puissance qui vient de son collègue, qui viendra comme une flamme pour enflammer la grâce que lui en a, mais pas les transferts. Mais s'il veut expérimenter les transferts, là c'est la loi de l'humilité. Où il peut poser un acte d'humilité par la foi et il peut recevoir ces transferts sans que la personne lui-même puisse le savoir. Donc vraiment dans le domaine des transferts, c'est vraiment de l'humilité. Il faut de l'humilité pour savoir que ah, celui-ci c'est... C'est un collègue, c'est un ami, et tu viens d'évaluer, tu t'agenouilles, tu dis, j'ai besoin que la grâce qui est en toi vienne sur moi. Le fait déjà de reconnaître ça et de s'agenouiller devant le Seigneur qui est son Dieu, et tu lui demandes qu'il puisse prier pour toi, là c'est déjà l'humilité. Dans ce cas, le transfert peut être passable. Est-ce que c'est clair? Regardez avec moi. Romains chapitre 1, verset 11. Romains chapitre 1, verset 11. Est-ce que nous sommes là? Romains chapitre 1, verset 11. Regardez. Est-ce que quelqu'un veut le transfert? Est-ce que quelqu'un désire le transfert? Si quelqu'un désire le transfert, qu'il écrit Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Tout le monde avait l'information que Élie devait monter, mais il n'y avait qu'un seul cœur qui désirait le transfert, c'était Élisée. C'est pourquoi Élisée, au-delà de l'information, il avait reçu
le transfert. Wow. Regardez avec moi. Romains chapitre 1 verset 9. Je dois citer des versets rapidement et après on entrera dans la prière. On va faire une heure du temps en train de prier. Le transfert va passer. Le Seigneur qui connaît ton cœur va libérer quelque chose dans ta vie. Quelque chose va bouger dans ta vie. Mais je vais simplement lire et après nous allons avancer. Regardez Romains chapitre 1 verset 11. La Bible dit ceci, Romains chapitre 1, verset 11. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire. Oui, j'ai très envie de vous voir pour partager avec vous le don de l'Esprit. Alors, vous serez plus fort. Oui, j'ai très envie de vous voir pour partager avec vous le don de l'Esprit. Alors, vous serez plus fort. Il va partager. Il a le don de l'Esprit. Il veut partager. Il veut communiquer cela à ce peuple, pour qu'il soit plus fort. Ça, c'est le transfert. Regardez maintenant la version Louis II. Alors, je vais lire Louis II pour que nous allions vraiment rapide. Je vais lire Louis II. Que le Seigneur puisse nous aider. Que le Seigneur puisse nous aider et que tout soit pour sa gloire. Je sens une forte onction me saisir terriblement. Romains chapitre 1. Le verset 11, Romains 1, 11. Car je désire vous voir. Il ne dit pas, il ne souhaite pas, mais il désire. Il y a la différence entre le souhait et le désir. Le souhait, c'est dans la bouche. Le désir, c'est dans le cœur. Lorsque tu convertis ton souhait au désir, alors le Saint-Esprit sera intégré. C'est le désir qui fait intéresser le monde spirituel. C'est le désir. Le désir, c'est aussi la soif. On a besoin du désir pour que la spiritualité soit intéressée. C'est pourquoi fais des choses par désir. Ne le faites pas par sentiment. Il faut le faire par désir, non par souhait. Non, je souhaite. Non, tu dois désirer. Cela veut dire engager ton cœur. Lorsque tu désires, alors il y a quelque chose qui te pousse à payer le prix. Parce que la soif te poussera à payer le prix. Regardez avec moi rapidement. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Afin que vous soyez affermis. L'apôtre Paul a le désir, la soif de communiquer quelques dons spirituels. Communiquer, il va communiquer cela pour que le peuple soit affermi, pour que l'église de Rome soit affermie, qu'il soit revêtu de la puissance. On doit les communiquer. Le transfert, c'est ça, c'est la communication spirituelle. C'est le fait d'impacter pour que la personne qui reçoit cette impactation puisse briller. C'est comme une pression qui fait en sorte que la personne puisse aller plus loin. C'est cela l'impactation. L'impactation, ce n'est pas de l'humiliation. C'est comme l'enfant sur les épaules de son père. Pour voir au-delà, c'est là le rôle de l'impartation. Et ce que j'aime de l'impartation, ce que j'aime des transferts, ça dépend de beaucoup de sacrifices. Celui qui a été soumis à beaucoup de sacrifices, il a réussi ça. Dès qu'il t'imparte, toi tu bénéficies seulement de ses sueurs. Tu es comme l'ouvrier de dernière heure, tu bénéficies des sueurs de l'ouvrier de première heure. Et tu entres directement. Et la méthode la plus facile pour accroître l'onction rapidement, c'est aussi l'impartation. Lorsqu'on t'imparte, c'est comme si on déclenche le flux de l'onction. C'est comme si on est en train de générer les ondes. La Bible dit, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Alors, toutes les vagues commencent à passer sur moi. Là, c'est David qui est en train de dire ça. Il y a les ondes, on doit les générer. Lorsqu'on les génère directement, tu commences à croître dans une grande augmentation de l'onction. C'est par rapport au transfert. Donc, c'est bénéfique d'expérimenter les transferts. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens passent à côté par manque d'humilité et par manque de conseils des choses sacrées à ce qui concerne les transferts. Les transferts existent, c'est une réalité. Alors, il y a tant de versets ici qui nous parlent du transfert.
Je ne sais pas si je peux lire, si je peux vous donner ou directement je commence les transferts. Mais ça serait important que je puisse quand même poser le fondement, quand même donner. Regardez avec moi ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 11. Maroboria brababo. Versets 16 à 17. Regardez Nombres 11. Quelqu'un peut m'aider à écrire Nombres chapitre 11, versets 16 à 17, et on va lire encore 25 à 27. Permettez-moi de lire et puis de passer rapidement. Je suis sur le transfert surnaturel. Nombres 11, 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse, « Ensemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël. » De ce que tu connais comme ancien du peuple et ayant autorité sur lui. Vous voyez, amène-le à la tente d'assignation afin qu'ils y présentent avec moi. Donc ici on va voir, c'était pendant le moment où le peuple murmurait. Le peuple murmurait, nous sommes fatigués de la manne, nous voulons la viande. Le peuple commence à tourmenter l'esprit de Moïse. Moïse va crier au Seigneur. Il lui dit, mais jusqu'à quand je suis attristé? Pourquoi Seigneur, tu m'affliges comme ça? Pourquoi je devais porter ces grands fardeaux? C'est à cela maintenant, le Seigneur va répondre à Moïse pour dire, ok, appelle 70 anciens que toi tu connais et que toi tu as de l'autorité sur eux. Alors, moi, je vais permettre à ce qu'à travers toi, qu'il soit transféré de même esprit qui t'anime. Comme ça, tu auras la charge un peu léger. C'est-à-dire, eux aussi commenceront à opérer dans le sphère surnaturelle. Et là, maintenant, tu auras la charge un peu diminuée. Parce que tu as demandé jusqu'à quand je dois souffrir, je dois mourir. Il n'y a pas d'autre personne. Donc, Dieu a répondu à Moïse. Mais la condition étaient des gens qui acceptent l'autorité de Moïse. Dieu dit, amène-le à la tente d'assignation et qu'ils y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Et que tu ne la portes pas à toi seul. Ça, c'est le transfert. Donc, par le transfert, tu peux commencer à opérer dans une nouvelle dimension que l'autre a opéré. Le transfert permet à ce que tu commences à participer dans la dignité spirituelle. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit le transfert pour vraiment expérimenter le transfert, que personne ne te trompe. Tu dois te convertir à un enfant, alors tu auras les transferts. Sans cela, tu ne l'auras pas. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Verset 25 à 27. Je sente de parcourir rapidement. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Ils prophétisèrent directement. Ils commencent aussi à prophétiser. Et cette expression, en hébreu, on parle de Eloyéel Kolbazar, le Dieu de tous les esprits et de toute chair. On a appelé ça comme ça. Donc, le Dieu de tous les esprits de toute chair, le Dieu qui revêtit les esprits et les chairs, il passe à travers le transfert. C'était à travers le transfert que Dieu n'était pas seulement appelé le Dieu de Moïse, devait aussi être appelé le Dieu de ces anciens-là. Et ici, on va voir, il y a quelque chose d'extraordinaire. Pour expérimenter les transferts, je parle des transferts d'onction. Ça veut dire quelque chose qui est par qui est loin. Ok, les transferts de puissance. Pour l'expérimenter, tu dois être inscrit. Donc, on ne se trompe pas dans les transferts. Il y avait deux personnes dans lesquelles ils étaient inscrits, mais ils n'avaient pas eu le temps d'aller dans la tente d'assignation. La Bible dit que ces deux personnes-là,
l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Eux aussi, dans leur camp, ils commencent à prophétiser. Parce qu'ils étaient inscrits. Ils étaient inscrits. L'onction qu'on honore, cette onction te poursuivra et t'affectera. T'affectera. C'est pourquoi toi qui es en train de m'écouter, tu es déjà inscrit. Laisse-moi te dire, l'onction ne te ratera pas. L'onction ne te ratera pas. Ça descendra dans ta maison. Tu seras visité par l'Esprit de l'Éternel. Jésus te touchera de manière surnaturelle. Et tu vas connaître une augmentation de l'onction que Dieu, alléluia, t'a donnée. Quelque chose d'extraordinaire est en train d'arriver. Reçois cela dans le nom de Jésus. Mazorabaka. Et c'est Koriboreba. Regardez directement. Nous allons rapide. Touchons directement. Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 11, le verset 28. Nombre 11, 28. Touchons nombre 11, 28. Alors que je suis en train de parler, que cette parole t'amène dans la gloire, continue à prier dans ton cœur, engage ton cœur dans la prière, engage ton cœur dans la prière. Nombre chapitre 11, verset 28, quelqu'un peut m'aider à écrire ça. Et Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa naissance, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. On nous parle de Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa naissance. Josué ici n'était pas serviteur de Dieu, mais serviteur de Moïse. On présente Josué comme serviteur de Moïse et Moïse est comme serviteur de Dieu. On dit depuis sa naissance. Mais on va voir. Lorsque Josué sera imparté, va vivre le transfert, on commencera à l'appeler Josué serviteur de l'Éternel. Le transfert, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, c'est Josué qui est serviteur de Moïse. Dans les livres d'Exode, maintenant, Dieu va les récompenser. Touchons Exode 33, verset 11. Je parle ici des transferts, bien que je suis rapide. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse est retourné au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse parle avec l'Éternel, mais son serviteur est resté dans la tente. Il est resté dans la tente. On va voir que ici, bien que Josué est resté dans la tente, le lieu de la rencontre de Dieu avec l'homme, mais Josué n'a pas encore accédé dans l'autorité spirituelle. Josué n'a pas encore manifesté, alléluia, la grâce, le ministère qui est en lui. Jusqu'à ce qu'il sera imparté, alors Josué va entrer en scène. Donc tu peux être dans la tente d'assignation, tu peux être dans la présence de Dieu, mais ne pas vivre, alléluia, ce à quoi Dieu t'a destiné. L'impartation est très importante. Ça te fait inaugurer dans le monde de spiritualité. Ça te fait présenter dans le monde spirituel. Ça te fait habiller de tenir de l'autorité. Et tu deviens une bouche autorisée. Je parle du transfert. Regardez Nombre maintenant. Chapitre 27. Nombre chapitre 27. Nous touchons. Maintenant, le verset 18 à 20, nous sautons cela. Touchons directement Deutéronome, chapitre 34, le verset 9. Deutéronome 34, 9. Je suis en train de courir rapide. Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse quand Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformer aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il obéit. Il a reçu l'esprit de la sagesse. Parce que Moïse avait posé ses mains sur lui.
Dans le Nouveau Testament, Romains 1, 11, l'apôtre Paul dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Ne dis pas seulement que Dieu visite-moi. Ne dis pas seulement que j'attends un ange me visiter. Le transfert spirituel, c'est la méthode de Dieu aussi pour que tu participes dans la dignité. Dieu va dire plus loin à Moïse, prie pour Josué afin qu'il participe à ta dignité. Ça, c'est le transfert. Ça te fait entrer dans un monde. Tu ne peux jamais accéder dans une grande dimension sans pourtant expérimenter le transfert d'une manière ou d'une autre. Il faut que quelqu'un puisse te transférer. Il faut qu'il y ait un homme de Dieu qui puisse te transférer. Que ça soit dans les songes, que ça soit dans la vision, que ça soit physiquement comme ça, il faut qu'il y ait un transfert. On lui a imposé la main, il reçoit l'esprit de sagesse, on commence à lui obéir, comme Moïse. Regardez encore l'autre verset. Des Rois, chapitre 14, verset 15. Tu vas voir, je suis en train d'aller rapide. Mais ce que je dis, je pose des fondements pour que les transferts passent rapides. Des Rois, chapitre 2, verset 14 à 15. Des Rois 2, 14 à 15. On parle ici d'Élisée. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Regardez bien ici, Élisée a commencé à déchirer d'abord ce vêtement avant de recevoir le vêtement d'Élie. Il a d'abord déchiré son manteau avant de recevoir le manteau d'Élie. Il a déchiré, donc en quelque sorte, il était comme nu. Vous ne pouvez pas accéder dans le transfert si vous n'êtes pas nu. Non. Vous devez d'abord vous déshabiller de vos vêtements pour recevoir maintenant le vêtement du manteau que vous désirez. Vous ne pouvez pas recevoir le manteau avec vos vieux habits. Déshabillez-vous d'abord. C'est le signe de l'humilité. Enlevez vos estimes. Enlevez votre orgueil. Oubliez ce que vous avez réalisé. Oubliez tout. Oubliez les vieux trésors. Déchirez cela pour recevoir le char. Lorsqu'il a réussi, la Bible a dit, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'il avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, Élisée passa. Le fils de prophète qui était à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils ont reconnu maintenant une nouvelle onction, l'esprit d'Élie. En fait, l'esprit d'Élie, ce n'est pas l'esprit humain. L'esprit d'Élie veut dire tout simplement le manteau d'Élie. C'est l'onction, le manteau d'Élie, ça veut dire la capacité, la volume, la capacité, l'aura d'Élie était sur Élisée. Il commence à respecter Élisée directement. Ça, c'est le transfert. La Bible dit, lui aussi déchira le manteau. Lui aussi, oui, ça c'est le transfert. C'est le transfert. Nous voyons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus a aussi fait des transferts. Regardez avec moi Matthieu chapitre 19, verset 13. Matthieu 19, verset 13. La Bible dit, alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui le rassemblent. Et il leur imposa les mains et il partit de là. Dans d'autres versions, on dit, il leur communiqua. Il imposait les mains. Et lorsque nous lisons Marc chapitre 5, verset 6, verset 56, la Bible dit, il y avait la foule qui venait pour toucher le pan de Jésus et une force sortait de Jésus, guérissait tous. Ça, c'était les transferts
par rapport à la grâce, par rapport au miracle, par rapport à la guérison. Et nous voyons Actes chapitre 10, versets 44 à 46, pendant que l'apôtre Pierre parlait seulement, la maison de Corneille, il y avait beaucoup de gens, tous commencent à parler en langue. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit alors que l'apôtre Pierre parlait seulement. L'Esprit leur a été donné. Ça, c'est le transfert. Mais j'aimerais qu'on puisse lire deux versets seulement. Et avant que je puisse donner quelques témoignages des transferts que j'ai expérimentés, et par là, nous allons directement prier. Regardez avec moi l'autre verset, 1 Timothée chapitre 4, verset 14. 1 Timothée 4, 14. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Je suis en train de parler sur le transfert. 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de mains dans l'assemblée des anciens. Ce don-là a été donné par prophétie et par imposition de mains, le transfert. Il a été donné par imposition de mains, la déclaration et l'imposition de mains. Le don lui a été donné. Ça, c'est le transfert. Et la Bible dit, occupe-toi à cela tout entier et tu auras du progrès. Regardez encore 2 Timothée maintenant. Chapitre 1, verset 16. Je crois que ça, c'est le dernier verset. Et puis, nous fermons la Bible. 2 Timothée. 2 Timothée. Chapitre 1, verset 6. C'est ici, on ferme la Bible et puis je donne le témoignage et c'est fini. Après, nous prions directement. 2 Timothée, chapitre 1, 6. C'est pourquoi, c'est l'apôtre Paul qui dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. L'apôtre Paul parle à Timothée. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Lorsque je t'ai imposé les mains, je t'ai transféré les dons. Et tu dois ranimer ça. C'est clair ici le transfert. Le transfert est clair. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un est édifié? Maintenant, nous voulons prier. Moi, j'ai commencé à expérimenter l'onction en 1999 ou 99. 1999. Je reçus pour la première fois l'onction où je vis. Quelques personnes tombées, c'était à travers le ministère de Coutinho Fernando, l'archibishop du Congo. Dans ces années-là, 1999, c'était tellement fort, je sentais des charges électriques dans tout mon corps et je faisais que pleurer. Le lendemain, je suis arrivé à la maison, j'ai dirigé la prière. D'un coup, je me suis vu comme un lion et je ne supportais pas cette onction. Nous sommes en 1999, je ne supportais pas cette onction-là. J'ai monté sur la table, sur la table de notre maison. J'ai monté sur la table, je commence à dire « Ah ! Ah ! Ah ! » Les gens tombaient, c'était ma famille. De première personne à être touchée par l'onction de Dieu dans mon ministère, c'était ma famille. J'ai dit, ha, 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 ils tombaient. Vous voyez, le transfert, c'est une réalité. Je le récite. Et en 2003, je dois recevoir une autre dimension de l'onction encore.
C'est-à-dire, l'onction s'augmente. C'est-à-dire, l'onction que j'ai, on doit comprendre qu'on ne transfère pas l'onction. Il y a la différence entre les transferts de l'onction et les transferts d'onction. Lorsqu'on parle de transfert d'onction, cela ne veut pas dire qu'on va prendre l'onction ici, ton onction, on met. Non, l'onction est unique. L'onction est unique. Lorsqu'on parle de transfert d'onction, cela veut dire un transfert qui est ouin. C'est un acte ouin. C'est pourquoi on parle d'onction, onction. Mais je ne parle pas le transfert de l'onction. Non, on ne transfère pas l'onction, non. Mais le transfert d'onction, c'est ce qui est ouin. On parle aussi d'onction. Mais il y a le transfert du manteau. On peut transférer le manteau. On peut transférer la puissance, mais pas l'onction. Je crois un jour comme ça, nous allons parler de cela. Maintenant, le transfert d'onction, pourquoi je parle de transfert d'onction? Lorsqu'on te transfère la puissance, ton onction s'augmente. C'est la même onction que tu as. Chaque chrétien, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, a une mesure d'onction. Tout chrétien est un ouin. Et cette onction-là est appelée à s'augmenter par rapport au défi que tu as, par rapport à ton appel, par rapport à ta mission. Mais ça ne s'augmente pas comme ça. Ne dis pas que non, Dieu donne l'onction selon ton appel. Non, moi je connais des serviteurs de Dieu. Ils ont fait tant d'années, mais vous regardez comme ça, vous ne sentez pas assez d'onction. Vous vous sentez comme s'ils n'ont pas d'onction. Mais non, ils ont l'onction, mais ça ne se sent pas. C'est tellement minime. C'est tellement petit. Donc, c'est-à-dire, il y a la carence de l'onction. Mais l'onction est là. Mais c'est tellement faible. Hein, et ça ne se manifeste pas. Ça n'impacte pas de vie. C'est pourquoi j'ai parlé des ondes. L'onction doit s'augmenter. Tu dois grandir dans l'onction. Cette même onction commence à croître. C'est comme le même fleuve du sanctuaire, ça commence à croître au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des reins et au niveau de la tête. Et puis ça déborde. Ça devient un fleuve. Mais c'est le même qui commence à croître. Donc nous croissons dans l'onction. Nous grandissons dans l'onction. L'onction que j'avais en 1999, c'est la même onction, mais la capacité n'est pas la même. C'est le même fleuve. Mais chez les autres, ils ont utilisé pour les piscines. Chez les autres, ils ont utilisé pour des citernes, ainsi de suite. Il y a des capacités de volume, de volumes. Et l'impactation fait partie de ça. Je récite d'abord, je dis bien, en 1999. Pour être clair, déjà en 1998, j'avais déjà parlé en langue. Alors que je servais le Seigneur. Je commençais à servir le Seigneur comme un modérateur, et tout ça, c'était en 1996. En 1998, je suis maintenant établi comme serviteur. Je commence à prêcher même le culte des dimanches. Et là, je parlais à langue en 1998. En 1999, à partir du ministère de Coutinho Fernando, j'ai dû expérimenter pour la première fois les tombées spirituelles. Les gens tombent. Et en 2003, c'était maintenant dans le ministère du général Sonny Kafuta Rockman. Il organisait une action, une activité au palais du peuple du Congo intitulée Transfert d'onction et le revêtement de la puissance. C'était en 2003. Et j'étais là dans cette manifestation. Pendant qu'il priait, j'ai senti un vent entrer dans ma vie. Je commence à rire, je commence à pleurer, je commence à crier en même temps. Je ris, je pleurais, j'ai crié. Tu ne peux pas comprendre. Donc, je ris, je pleure, j'écris en même temps. C'était une grande puissance que j'avais reçue. Et j'ai vu, on m'a donné les bâtons, on m'a donné une grande cloche ainsi que des trousseaux de clés. Il y avait un grand mouvement du vent. J'ai tombé plus de 10 fois. Je me suis relevé, j'ai tombé, je me suis relevé, j'ai tombé. C'était fort. Cette onction-là que j'avais reçue, ce transfert du manteau, du pouvoir, du revêtement. Dès que je suis retourné à la maison, ma tante maternelle avait un grand problème où on n'arrivait pas à donner la solution.
parce que c'était soit on l'opère et il sera, elle sera clouée dans la chaise roulante, ou soit on le laisse comme ça, parce que c'était un gros biberon juste dans l'intérieur de sa colonne vertébrale. Imaginez ici, entre les deux colonnes vertébrales, dans l'intérieur, il y avait un biberon. Vraiment un gros biberon trop sec. Et elle faisait que pleurer et elle n'arrivait pas à marcher. Lorsque je suis revenu à la maison, la première personne que j'ai dit, je dois tester si réellement le bâton que j'avais reçu là, c'est réel. Je suis allé le voir. Je priais pour elle. D'un coup, surnaturel, en instant, le biberon disparut. Le biberon disparut et elle était capable de marcher. Voyez, ça c'est le transfert. Je venais de recevoir un manteau. Je venais de recevoir le transfert et directement j'ai accédé dans le miracle. C'était pour moi le premier miracle qui était dans cette dimension-là, un grand miracle. Mais cela n'est pas fini. Là, nous sommes en 2003. Et plus tard, en 2007, je dois organiser ma troisième croisade d'évangélisation. Ma première croisade d'évangélisation, c'était en 2004. En 2006, deuxième. 2007, troisième. J'avais organisé cela avec mon frère, le prophète Samuel. Alors, dans cette organisation-là, on avait fait le programme de prier pendant 30 jours avec cet homme de Dieu. Angolais là-bas, ceux qui connaissent Kingabwa. On allait là-bas, on priait. Est-ce que ce témoignage est en train d'édifier quelqu'un? Je suis en train de vous parler de transfert, de choses que je vous pense, des choses que moi j'ai expérimentées. Et j'avais cherché les transferts. Je n'avais pas reçu les transferts comme ça, non. Ce jour-là, à parler du peuple, j'avais fait le pied depuis la maison à Kingabwa jusque là-bas à parler du peuple. Le pied aller-retour parce que je n'avais pas les moyens de transport. C'est presque une distance de 7 à 8 kilomètres. Parce que j'ai cherché l'onction. Je cherchais de naviguer dans la puissance de Dieu. Ma soeur, mon frère, il y a une richesse dans les transferts. Maintenant, là, nous sommes en 2007. Pendant la préparation de cette croisade, on devait prier pendant 30 jours avec mon ami. Chaque jour, on devait prier. Dans une forêt là, à Kingabwa, un endroit là, un peu à côté d'une rivière. Et un jour comme ça, pendant qu'on priait, je ne sais pas si c'était le quantième jour comme ça. Maintenant, mon frère là, qui est prophète, va voir une vision, va voir un songe plutôt. Dans les songes, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu dans les songes, l'apôtre Aïdi Niabala est venu nous visiter, nous voir. Lorsqu'il est venu nous voir, moi directement, je lui ai dit, Samuel, Samuel, regarde l'apôtre Aïdi Niabala. Regarde l'apôtre Aïdi Niabala. Maintenant, lui ne connaissait pas l'apôtre Aïdi Niabala. Et évidemment, aussi physiquement, comme ça, il ne le connaît pas. Il connaît juste par le nom. Je dis, regarde l'apôtre Aïdi Niabala. Lui, il dit, l'apôtre Aïdi Niabala, c'est celui l'apôtre Aïdi Niabala. Il était étonné. Et directement, l'apôtre Aïdi Niabala lui a regardé. Après, lui a dit, c'est tout à fait normal que tu ne me connais pas. Mais Noah me connaît parce que Noah est mon fils. Waouh! La race spirituelle existe. Des ADN spirituels existent. Existent. Il dit, mais Noah me connaît parce que Noah est mon fils. Parce que moi, j'ai été baptisé en Zaymalam. Et il dit, bon, ce n'est pas un problème. Et après, il m'a donné des plantes qui étaient dans ses poches. Il m'a donné des plantes. Il me dit, regarde, depuis que je suis parti, il n'y a que ces carreaux
que j'ai laissé. Jusqu'à présent, il n'y a que ça. Alors que regarde l'étendue qui est restée. On doit remplir cela, mais jusque-là, il n'y a que ça qui est rempli. Il m'a donné des plantes pour me dire non à toi. Continue mon travail. Remplis cette étendue-là qui est restée. Et c'était ça le songe. Dieu l'a montré. Dieu ne m'a pas montré, mais Dieu l'a montré. Il m'a raconté ça. Je lui ai montré la photo de l'apôtre Dinabal. Il a regardé comme ça. Il était étonné. Mais c'est cet homme-là que j'avais vu. C'est cet homme-là que j'avais vu. Et des jours passés, pendant qu'on priait comme ça, on marchait comme ça, on faisait des prières, des marches. On marchait, on priait. Pendant que moi je priais, je marchais, je vis Jésus en train de venir dans ma direction. J'avais peur et j'avançais après Jésus directement entrant en moi. Jésus entra en moi, il était habillé en tunique rouge. Il entra en moi directement, je commençais à pleurer. Je vis la vision comme ça, c'est comme si les choses se passaient physiquement comme ça. J'ai commencé à pleurer. Vous voyez? Même Jésus m'a visité après que je sois imparti dans les songes. Donc le monde spirituel, que ce soit dans les songes, dans la vision comme ça, ce qui est important, qu'il y ait les transferts spirituels parce que c'est le monde spirituel. Salomon avait reçu la sagesse, c'était dans les songes, mais c'était aussi authentique. Abraham a été appelé dans le songe, mais c'était aussi authentique. C'était aussi authentique. Jacob a vu l'échelle, les anges montaient, descendaient, c'était dans le songe, mais c'était aussi authentique. Les transferts existent. Si quelqu'un me suit, dit les transferts existent. Dis encore les transferts existent. Dis encore les transferts existent. Et aujourd'hui, je serai transféré. Et on a fini nos 30 jours. Le jour où je devais prêcher maintenant dans cette campagne-là, pendant que j'appelais les malades comme ça, on m'a amené un papa qui était aveugle. Je dis aveugle, il ne voit pas. On l'amène comme ça. On le conduit. Lorsqu'il est venu devant moi, j'ai senti comme s'il y avait de l'électricité dans tout mon corps. J'ai dit aux caméras, filmez bien cette image. Je commence à faire comme ça. Il ne voit rien, je fais comme ça. Il ne voit rien. Et après, je l'ai soufflé dans les yeux, il tomba. Il se releva comme ça, il commence à voir. C'était le premier miracle de la cécité. Un aveugle recouvrit la vie au nom de Jésus dans mon ministère. C'était en 2007, après cette affectation. Et maintenant, en 2018, pas si loin, nous sommes en 2021. Plus tard en 2018, pas si loin. J'étais en train de prier comme ça. Je dois voir dans la vision, je vis l'image de l'apôtre Dinabala. En train de dire wana wana, c'était ça, c'est là où des campagnes d'évangélisation wana wana est venu. Il dit wana wana, je lui récite, j'ai dit wana wana, et là maintenant j'ai commencé maintenant des croisades d'évangélisation wana wana. Il y a des images, vous avez vu, il y a des images, des miracles authentiques, réels, pur. Il y a d'arrosé qui tombe comme ça, paralytique, qui marche, des miracles authentiques. Ça, c'est l'affectation. Vous pouvez dire que non, mais l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu as tenté de dire? L'homme qui est déjà mort, comment est-ce qu'il peut te visiter? Non, il faut retenir ceci. La Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu de mort, il est un Dieu de vivant. Cela veut dire quoi? Tout celui qui a servi le Seigneur dans une dimension très élevée. Dès qu'il meurt, en réalité, il ne meurt pas. Ils sont dans les séjours des morts, là, dans Abema. En Bema, là-bas, cela veut dire la poitrine d'Abraham. Et souvent, Dieu peut aussi utiliser leurs esprits pour communiquer un message. Leurs esprits pour t'indiquer que non, l'onction qu'il a mis à cet homme, cette grâce-là, Dieu te le donne. Ce manteau-là, tu l'as.
Dieu aussi peut utiliser leurs esprits pour affecter. C'est cela que la Bible est en train de parler ici des nuées de témoins. Alors là, ça serait important que je puisse vous lire ces passages pour tout simplement éviter les problèmes liés aux fausses doctrines. Je ne parle pas des cultes des morts, je ne parle pas de s'attacher aux morts, mais je dis tout simplement le Dieu, véritable Jésus-Christ, a utilisé ses serviteurs. Et lorsque tu es en train d'honorer ses serviteurs par rapport à ce que Dieu les avait utilisés, vous pouvez aussi être connecté dans leur manteau. Dieu peut vous connecter dans ce manteau-là. Et c'est réel et c'est biblique. C'est la raison pour laquelle ce n'était pas scandalé de voir Élie et Moïse tout près de Jésus. Lorsque Jésus voulait aller à la croix, la Bible dit qu'ils se sont entretenus de ce qu'il sera à la croix. C'est ça ce qu'on appelle les nuées des témoins. Regardez avec moi. Masurabakate. Shuribori broishinta rababo. Robo lobo. Je sais une grande onction de Dieu. Regardez avec moi Hébreux chapitre 12, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12, verset 1. Regardez. Les nuées des témoins, les choses spirituelles et réelles. Les choses spirituelles et réelles. Il y a certaines visitations spirituelles, je ne vais même pas vous les dire. Tout simplement, je les garde sans secret à moi-même. Mais j'ai dit certaines choses pour justement édifier votre foi. Regardez avec moi Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2. Je crois qu'aujourd'hui, il y aura un grand transfert. Parce que Dieu nous a permis de parler des choses comme ça. Dieu va imparter, Dieu va encourager, Dieu va aiguiser, Dieu va manifester sa gloire, Dieu va faire des grandes choses aujourd'hui. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Écoutez ce que la Bible dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. On parle de nuée de témoins. Ce n'est pas des nuées de nuages, non. Cela veut dire des témoins arrivent dans le ciel. Ils descendent du ciel et ils nous enveloppent. Tous ceux qui descendent du ciel, on parle aussi de nuées. Et bien dit, parce que nous sommes environnés des nuées de témoins, rejetons les péchés qui nous accablent facilement. Souvent, lorsque vous êtes dans un état de faiblesse, lorsque vous êtes tellement tourmenté et que vous manquez la foi et que vous commencez à vous perdre, vous commencez à douter de votre salut, vous commencez à sentir la vie chrétienne amère et vous voulez même vous empoisonner vous-même. Dieu peut libérer aussi les saints pour venir vous fortifier. Il arrive là. Les saints peuvent combattre aussi à faveur des autres saints. Ils arrivent dans l'armée sous la coordination, bien sûr, du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a certaines personnes, ils peuvent rêver Moïse, ils peuvent rêver Pierre, ils peuvent rêver Paul entrer dans l'église comme ça et directement son ministère commence à expérimenter des miracles. Ce sont des phénomènes spirituels. Ça fait partie des miracles, des phénomènes. Jésus souvent le fait. Et ils viennent là pour vous aider, pour vous parler, dans le but tout simplement de vous encourager dans le chemin de Dieu. Et lorsque la Bible parle des nuits, oh, quelle gloire de Dieu! Rosama, Lassa, Lokariabro Sotoki, Landeba, Urakayababo Shaya, Lozegeze Marado, Rua Amanda Galege, Rua Aburo Sandigala, Rande Bobo Shakatea, Lula Gijagriabosa. Lorsque la Bible parle des nuées de témoins, il y a deux dimensions de nuées de témoins. Premièrement, les anges qui viennent pour t'encourager, pour combattre à ta faveur. Alors que tu es dans le sommeil, ils combattent à ta faveur.
Alors qu'on t'a fait des pièges, ils peuvent enlever des poisons, ils peuvent combattre à ta faveur. Et là, tu te réveilles comme ça, tu te sens libéré. Tu commences à sentir la joie. Les nuées des témoins peuvent être aussi les anges. Les nuées des témoins peuvent être aussi des saints qui sont dans la présence de Dieu. La Bible nous parle que lorsque un saint, un général de Dieu, mais il rentre dans la présence de Dieu, il est dans la présence de Dieu. Parfois, il peut venir. Il fait partie des nuées des témoins. Et la Bible est en train de nous parler des témoins. J'ai parlé des anges, j'ai parlé aussi des saints. Ils peuvent aussi venir. Et souvent, ils sont même étonnés lorsqu'il a la forte révélation. Ils plongent les regards. Les anges plongent les regards. C'est important. Un jour comme ça, ma femme Nadine a vu la vision. Le prophète Samuel de la Bible lui a visité. Il a vu son visage. Moi, j'ai vu cela à plusieurs reprises. Et à chaque fois que je vois des genres de visitations comme ça, il y a une grande augmentation de l'onction qui m'accompagne encore plus fort. Plus fort. Nuée des témoins. Regardez encore un autre verset qui nous parle de nuée. Des nuées des témoins. Regardez Marc. Marc chapitre 14, verset 62. Marc 14, 62. Écoutez des révélations. Le Seigneur est au milieu de nous. Marc 14, 62. Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Venant sur les nuées du ciel. Ici, Jésus est en train de parler qu'il dit à ses gouverneurs, la Pilate, je suis le Fils de Dieu. Vous verrez le Fils de l'homme descendre. Vous le verrez. Entouré des nuées du ciel. Les nuées, là, venez-y les nuées du ciel. Cela veut dire il vient entouré des anges. Il vient entouré des anges. C'est cela, venir sous les nuées du ciel. Regardez encore Matthieu chapitre 26, verset 64. Matthieu 26, 64. Et lorsque vous expérimentez ces grands mouvements de nuées des témoins, oh, l'auditoire sera sous la gloire. L'atmosphère est tellement saturée de la gloire. Là, c'est le ciel sur la terre. Vous sentez un mouvement parce que les nuées des témoins descendent. Les anges sont tellement comblés dans cet endroit-là. Pour la gloire de Dieu. Regardez avec moi Matthieu chapitre 26, 64. Matthieu 26, 64. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et venant sur les nuées du ciel, vous verrez désormais, maintenant même vous le verrez, venant sur les nuées du ciel. Il parlait de sa gloire environnée des anges. C'est ça le merveille des nuées des témoins, l'impartation du royaume de Dieu. Et j'ai pu expérimenter des grands miracles grâce à ces transferts d'esprit. Et maintenant, je vais prier. Élevez les mains là où tu es. Fais comme si tu touches le ciel. Lorsque je dois dire Alléluia, tu dois parler qu'en langue. Parler seulement en langue. Et il y aura un grand mouvement de l'esprit qui va se passer. «
Moi-même aussi, je me perdrai dans la nuée de gloire. Toi aussi, soyez perdu dans la nuée de gloire, dans la présence de l'Esprit de Dieu. Mais avant de prier en langue, tu dois répéter la prière avec moi. Tu dois répéter la prière avec moi. Je sens la gloire de Dieu nous couvrir. Répétez cette prière après moi. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici devant toi. J'ai besoin aujourd'hui d'être imparti par ta droite, par ta puissance, par ton Esprit Saint, à travers ton serviteur Noah. Je prépare mon cœur. Je prépare mon cœur. Enveloppe-moi. Couvre-moi. Incube-moi, ô Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu dois que parler à langue. Si tu n'as jamais parlé à langue, tu ouvriras simplement ta bouche et tu le parleras. Ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus, avant de continuer, vous pouvez répéter cette prière après moi. Et Jésus viendra dans votre cœur. Il sera votre Seigneur et Sauveur. Répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me sauver. Donne-moi ton Esprit Saint qui m'aide à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes malade, vous avez un cas de maladie, avant de prier, faites-moi signe. Quelqu'un est malade, faites-moi un signe, parce que nous allons entrer directement dans la prière de transfert. Josué a reçu l'esprit de sagesse. Le transfert de Dieu n'est pas limité. C'est pour nous aider à toute éventualité de la vie. Y a-t-il quelqu'un malade? Si quelqu'un est malade, fais-moi signe directement. Je vais prier pour toi parce que je vais entrer dans le service de l'impartation. Ok. Ah, ok. Ah, Natacha, ok, ok. Ah, ok, c'est toi qui m'avais écrit. Gloire à Dieu. Je vais prier pour toi maintenant. Tu seras guéri. De ta maladie.
Le corona, comme tu as dit, tu es dans l'hôpital. Tu es atteint de corona et tu es dans l'hôpital déjà 4 jours. Je te demande de prendre soit un jus est là, soit une nourriture, parce qu'après la prière, tu dois tester la nourriture. Et le goût va revenir, l'odeur va revenir aussi. Alors, prépare une nourriture, soit un jus, soit un fruit. Si tu as ça, fais-moi signe rapidement. Et là, je prie pour tous ceux qui sont en train de souffrir de corona, même ceux qui vont me suivre après, Dieu va guérir. L'onction va rester dans cette vidéo. Tous ceux qui souffrent de cancer, tous ceux qui souffrent de stérilité, toute forme de maladie, par le maîtrise de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Vous allez témoigner que Jésus était mort à la croix. Il est vivant. Seulement de l'eau. Bon, ok, c'est tout ce que tu as. Ce n'est pas un problème. Maintenant, comment est-ce que tu vas sentir le goût? Ce n'est pas un problème. Et je crois que tu sentiras le goût de l'eau. Ce n'est pas un problème. Croyez que Dieu va te guérir maintenant. Y a-t-il ceux qui souffrent? Y a-t-il des malades? Y a-t-il les gens dérangés par des maris et femmes de nuit? Préparez-vous, parce que le Seigneur veut manifester sa gloire. Le Seigneur veut manifester sa gloire maintenant même. Maintenant. Et nous qui voulons les transferts d'onction, continuez déjà à prier, à désirer, alors que je vais prier pour vous, quelque chose arrivera. D'abord, je vais prier d'abord pour les malades. Je vais prier d'abord pour les malades. Et si je vois une seule personne qui est malade, il y a encore une autre qui est malade. S'il y a une autre personne qui est malade, fais-moi signe. Fais-moi signe directement. Alors, gagnons le temps. Je vais prier pour celle-ci, et je vais prier aussi pour tous les malades. Ma sœur, regarde-moi. Ouvre tes yeux. Je ne sais pas si tu es cloué ou comment, mais laisse-moi te dire, Jésus est Seigneur. Jésus n'a pas changé. Il était mort à la croix pour que tu sois guéri. Et aujourd'hui, maintenant, tu vas recevoir ta guérison et tu seras sauvé. Crois. La distance n'est pas une barrière. Le Seigneur est là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Je proclame ta guérison. Je proclame ta guérison. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi, démon de corona, quitte ce corps au nom de Jésus. Quitte cette gorge au nom de Jésus. Quitte ce corps au nom de Jésus. Quitte cette gorge au nom de Jésus. Quitte ces poumons au nom de Jésus. Quitte. 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 Prends tes bagages. Ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu es guéri. Tu es rétabli. Tu es fortifié.
par le maîtrisier de Jésus-Christ, tu es guéri. Sois sanctifié par le sang. Sois purifié par le sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Les liens de la mort sont coupés. La vie est venue au nom de Jésus. Tout celui qui est malade, maintenant je proclame le miracle des guérisons dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, tu as porté leur maladie à la croix. Tu étais crucifié en crucifiant leur maladie. Ils ont la guérison assurée. Et je déclare leur guérison. Je déclare leur miracle. Au nom de Jésus, la maladie du sang soit purifiée. La maladie des os soit purifiée. La maladie partout soit guérie. Au nom de Jésus. Vivez le miracle de Dieu. Vivez le miracle de Dieu. La maladie dans le dos est partie. La maladie dans les reins est partie. La maladie dans le cou est partie. Toute forme de maladie est partie au nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéri. Vous êtes guéri. La pourriture est partie. La mort est partie. La destruction est partie. Vous êtes guéri. Le pouvoir du péché est brisé. Le pouvoir du péché est brisé. Vous êtes pardonné. Vous êtes pardonné. Recevez le pardon de Dieu. Recevez le pardon de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour les miracles. Au nom de Jésus. Prends maintenant l'eau, ma sœur. Prends maintenant l'eau, ma sœur. Et maintenant, prends l'eau. Maintenant, il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de problème. Tu viens d'être guéri. Corona t'a quitté. Au nom de Jésus, tu as maintenant béni. Tu as la force de Dieu maintenant. Tu es restauré maintenant. Tous les symptômes sont disparus. Ton sang est traité maintenant. Tu es libre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bois de l'eau au nom de Jésus. Tu peux sentir l'odeur et tu peux maintenant savourer les goûts. Au nom de Jésus, la vie est venue en toi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta gloire. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu peux boire de l'eau. Tu peux faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Tu peux faire des mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Il y a une forte présence de Dieu en toi. Il y a la présence de Dieu en toi. Même dans ta gorge, tu ne sens plus rien. La force est venue à toi. Oui, tout est restauré maintenant. Ton poumon est restauré. Ta gorge, ton corps, ton sang, tout, alléluia, est restauré. Tu es guéri, tu es restauré, tu es béni. Et tout celui qui était malade vient de contempler la guérison miracle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vais prier pour l'impartation. Élevez les mains pour l'impartation. Et vivez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ maintenant. Vivez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ maintenant. Le Seigneur est avec nous. Sa puissance est avec nous. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à parler à langue. Commencez à parler à langue. Commencez à prier. Commencez à prier maintenant. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Commencez à prier. Commencez à prier. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Koreborim. Commencez à prier. Il y a beaucoup de gens qui commenceront à crier. C'est le transfert. C'est le transfert. C'est le transfert. C'est le transfert. C'est le feu. C'est le feu. C'est les ondes. C'est l'ondulaire. C'est la gloire. C'est l'augmentation de la puissance. Commence à parler à langue. Commence à parler à langue. Tiens-toi debout là où tu es. Commence à parler à langue. La gloire de Dieu est là. C'est le transfert. Jésus-Christ de Nazareth, tu m'avais visité et tu m'as dit Noah,
affecte mes serviteurs. Noah, affecte mes serviteurs. Je suis en train de faire le mandat que tu m'as donné d'affecter, d'impacter et de transférer. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Que celui qui désire qu'il soit affecté dans une dimension nouvelle, dans une onction nouvelle, qu'il soit transformé dans le nom de Jésus. Que lui, Seigneur, l'ondulaire, qui augmente la puissance, qui augmente l'onction, l'autorité, la faveur et la gloire dans le nom de Jésus. Que des ministères soient parfaits au nom de Jésus. Que des ministères soient parfaits au nom de Jésus. Que les oreilles s'ouvrent. Que la pourriture abandonne tes serviteurs. Que les grands mouvements de feu arrivent. Un grand tourbillon du feu arrive. Que le char de feu, le char de l'éternel, le char arrive. Que les bouches de tes serviteurs, tes servantes, reçoivent la braise. Reçoivent la braise. Reçoivent la braise. Que le vent de l'esprit manifeste la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Que le vent souffle. Que le vent souffle. Qu'un grand mouvement commence. 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 Take it. Robo no Maria Barabara Barabaria Turubia Bashinte Rebini. Robo no Morobo Barabara Barabara Bretoria Bibini. Onda Baria Hara Bretoria Babashinte. Robo Robaria Babahara Bracanaba. Commence à parler à langue quand le transfert vient de passer. Robara Barabashinte Rebibi. Requerebe Arabrotoro Baba. Masoka Bakasokoti Abakati Kuzaba. Isebreke Tekele Bibi. Robo no moya baba kashabara kashete. Robo no moha bara bala bashinta. Raba la bawa ra bretoro ya baba 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 baba. Hende ro bira bawa ra bretoro ya baba ra bra kolo baba. O robo ra bara 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 bashi. Yika ra bara baba. Mansur ya baba baba. Aria bra baba babu. O robo ya bara bashinta. Raba ra bawa ra bretoro ya baba baba. O robo no robo ya baba baba karia baba baba baba. Hende ro bira ra bretoro baba baba baba. O robo ra bara baba karia baba baba baba. Yende rebe ala brondo rebe bara bara ora bra kono mama. O ro bara ba ko shabra ka shakara ba ba ba. Je demeure dans l'abri du trône. O ro ba 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 ba. Je repose dans l'ombre du tout puissant. Shandara bara bara ba hara bra ka. J'entre dans le sang de l'agneau. Ria ba 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 ba. Entrer dans le sang de l'agneau. Raba raba wa rabre karaba ba 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 ba. O shabara to ria ba 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 ba. Ne keria ba ho ria bra ka shon to ria ba 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 ba. Yende re ba rabra ka la ba la ma ho rabra ko no ma ma ma. O ro ba ria ba ha ko ria ba ra wa ho rabra ko no mo. Ne nda ra ba fa ria bra ka la ba la ba ho rabra ka ra ba 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 ba. Ne ndo ria ba ra ho rabro ndo ro ya ha rabra ka ra ba ra ba la ba fa ria ba da ba. Ne ndo ria ba ho ria ba ha ria ba ha la bra ko no ma na ma ma ma. Shanda bo shanda ba la bo ria ba 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 ka ra bra ko no mo. Ende be ko sko to ria ba la ha la fra ka sha ka ra dia ka to lo mo. Ngeria bahur ya baraka shandara bala hora brakono mama 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 nanzom braka skanta blaka skanta blaka skoto ya bahala blaka santa ya nito ya blaku for ya blaku skor ya blaka skar ya bala bala bo rando ya bala katak ya baho to blaka shinta holo abala karia bahoro braka shanta ya baba baba. Parlez à l'ang, karabraba, continuez à recevoir. Hurabana mawara brekala bahora brakolo baba baba. In the Riabaria Broya Hashinteria Behara Bratore Baba, Handa Bofo Sokoria Baba Baba Baba, Shenda Boria Bahokora Bahara Brakasha Bahokora Baba. Continue à recevoir des dieux, Ribarabala Bahara Brakadaba, le fleuve de gloire, Harabrekara Baba. Continue de recevoir des dieux, Shitaria Baba, le char de feu, Harabara Baba Shoto, Rikakakakakamarokoro Baba Baba Baba. Continue de recevoir des dieux, Ribaba Baba, sa grâce. Sente croce toco, rimando robo robara broco senteba. Continue de recevoir de Dieu, ebarabosheka, sa puissance infinie, illimitée. Roue mandila bakoria brakashinta, londo lobo anda baka sonta yabakonta, neze blakus konto yabakuska yaba, lozo breka shinte riababo, le Saint-Esprit anda brobo no mamama, ne peut pas être perçu, shonda raba, dans des théories, oh rabofaya. Mais le Saint-Esprit, Andi Broshka, est une réalité. Oh, de brochete, rebrochete. Rum raika, rondo, ria, baba, baba. Lèvez-vous. Oh, ribo, ribere, koa.
Mazobra woso tebre maniga lunda mizobra kashinde rondo lobo abakata ya mazega bazaga zegro amalado grezo togima rimelebe vora vora baraboro abababa hazabro toria babababa lendo robababa criez après moi rabababa criez après moi rabababa fire encore fire encore très fort fire encore quatrième fois fire c'est la fournaise des gloires. C'est l'ondulaire des gloires. C'est le courant continu. Pour la sixième fois. Fire! Yende rebo babababa londa mazo braka yakato linde reke ka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  pour la septième fois soyez prêts criez très fort fire hayamo c'est le double nuée chando garika yese breka rababa farabrabababa shabra babababa rabraka shataka robre babababa le Dieu illimité rabrabababa illimité God illimité God, le Dieu illimité, 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 miso, rima momo, romo, nomo, che, rimo, robo, bofo, rimanda, picarou, la sanctification par le sang de l'agneau, ise, meso, bracachi, oura, le baptême du feu de l'Esprit de Dieu, ise, blavoura, miso, bagoje, le salion Jésus-Christ, ise, moza, bazoga, raboloze, ga, et répandi, miso, mozo, maza, gazo, pique, nego, abasoka, imado, yula, bakanda. Azaboro babafa. Élevez les mains, recevez la gloire de Dieu. Recevez l'abondance de l'Esprit. Recevez les dons de la justice de Dieu. Recevez les dons de la grâce de Dieu. Régnez au nom de Jésus. Rebo soto rama. Remondo borababakon. He abuzatre kabu. Rio olobabobo sakata. Noma double nuye ribonosa na prefikata de kadre. Alléluia. Mozabrai. Korabram. Esobram. Esabram. Esabram. Korabram. Fodablam. 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 Élevez les mains, recevez le feu. Shikababa. Rebosa. Recevez le feu. Mazoba. Recevez le feu. Ribosha, recevez le feu, Mizaba, la flamme, Ibaro, le feu, Ebosha, recevez la transmutation, Rula, Mozaba, recevez la transportation, Rema, Shaya, Mazo, recevez la transformation, Rimo, Rimo, Ria, Rua, Rakaba, Shakete, Rege, Manda, Rotokote, Mazo, Lakataya, Majagre Kashitaya, Lula Hategoria, Moza, 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 Majaga, Majaga, Riakateke, 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 Horobondosa, Mozo Brakaseke, Iekoto Ribobo, Iokoto Ribobo, Mazo, 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 Miza, Muza, Muza, Morokoto. Maja, maja, majago, reçois l'oreille qui attend l'esprit, iso hara, reçois le cœur qui aime l'esprit, re, lobo, shaya,
prekete, roue baba. Présente-moi tes mains, rabondoro baba. Présente-moi tes mains, mazabro. Au nom de Jésus, que le feu de l'esprit purifie tes mains maintenant. Koramandako, que le feu de l'esprit sanctifie tes mains maintenant. Kondamondo shaya, kondamondo shaya. Mazagatego, mazagotobo shangaya, rie, ovola, magayase, au nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit sur ta famille, que la main de Dieu soit sur ton ministère, que la main de Dieu soit sur tes affaires, que la main de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus. Élevez les mains, écoutez la voix de l'Esprit. Écoutez la voix de l'Esprit. Écoutez comment l'Esprit est en train de te parler. Voyez des grandes visions. Voyez des vagues de gloire. Au nom de Jésus. Oh! Quelle gloire! Quelle gloire! Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons trois fois Amen, Amen, Amen. Plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous bénir. Nous avons terminé. Il y a le grand feu de l'Esprit de Dieu qui est descendu. Il y a une grande puissance de l'Esprit de Dieu qui est tellement abondante, qui est tellement riche au milieu de nous. Les malades sont guéris. Et le serviteur de Dieu, les servantes ont reçu la flamme de l'Esprit de Dieu. Des grandes choses viennent de se passer. Vous pouvez rejoindre le groupe de partenaires pour Christ, des gens qui, alléluia, décident de soutenir ce ministère à travers leurs dons. Nous commençons à partir de 10 euros, 10 dollars, 10 euros jusqu'en haut chaque mois. Inscrivez-vous, rejoignez-nous dans ces groupes de partenaires. Le Seigneur va vous bénir. Ne ratez pas ce genre d'opportunité, car Dieu n'a aucune dette de personne. Lorsque vous vous engagez dans des genres de ministères, vous êtes comme ceux qui sèment dans le royaume de Dieu et vous ne manquerez pas de récolter. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, celui qui sème récoltera. Et c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Lorsque vous soutenez ce ministère, vous êtes en train de faire ce ministère avec moi. Que le diable ne ferme pas votre cœur à rater cette opportunité de localiser la bonne terre pour le royaume de Dieu. Contactez-moi, c'est à partir de 10 dollars, 10 euros jusqu'à haut. Engagez-vous dans ce groupe de partenaires pour Christ et le Seigneur vous bénira. Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Si Dieu veut faire, il le fera. D'ailleurs, Dieu le fait toujours. Mais il veut voir des gens animés, des bons cœurs qui peuvent s'engager dans le royaume de Dieu et Dieu le bénira. Nous ne voulons pas faire l'œuvre de Dieu avec intérêt de l'argent, commencer à demander, commencer à faire des tactiques pour que les gens donnent. Non, nous voulons faire l'œuvre de Dieu de manière gratuite. Alors, il faut qu'il y ait des partenaires pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. C'est toi que Dieu a choisi
et entrez dans ce grand ministère et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous voulons avoir des partenaires partout dans le monde. Nous commençons à partir des 10 jusqu'à haut. Soyez bénis de la part de Dieu. À partir de jeudi, nous commençons la nouvelle session, la nouvelle série d'enseignements. Ça serait sur la réanimation des dons spirituels. Ça serait des moments bénéfiques de réanimation des dons spirituels et le Seigneur va vraiment vous bénir. Je crois qu'à partir de demain, vous aurez déjà la fiche en fait de ce programme, la réanimation du don spirituel. Vous êtes guéri. N'oubliez pas de laisser vos témoignages parce que je sais que le Seigneur a guéri, le Seigneur a délivré, le Seigneur a imparté. N'oubliez pas de me faire parvenir vos témoignages. Serviteur de Dieu, ministre de Dieu, parvenez-moi le témoignage à partir de WhatsApp dans les numéros qui est affiché là sur ces lives. Soyez bénis, on se retrouve jeudi à partir de 19h pour une nouvelle série d'enseignements sur la réanimation spirituelle. Soyez bénis.